Et bonjour à tous, c'est Taika, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit Coliseum avec ma team. En mode tranquillou. Mode tranquillou bidou. Donc là, je commence pas premier, ça m'énerve un petit peu, ça a l'air un peu de m'énerver ça. Mais bon, tant pis. Donc en face, on a quoi? SRAM et Nukra. Ouais, donc très chiant. Team très très chiante. On va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire. J'ai couper le canal Alliance. Pas que vous soyez gênés parce que bon, c'est un peu chiant ces canal Alliance là. Je le mets en fait parce qu'il est mis par défaut en fait sur ma configuration du jeu. On va avoir un peu 10-5, pas de résistance terre, donc ça c'est plutôt pas mal. Il est en 11 lui, plutôt agi. Et lui 10-6, pas mal de résistance terre par contre. Ou moins 4 PM, ça joue entrave. Ouais. Bon. On va commencer. Hein. Taper le SRAM là. 500 damage. Moins 3 PM. Ouais. Pas beaucoup de vita le SRAM. Hein. Donc ça c'est déjà bien. On va faire ça aussi. Crac. Et on va se mettre là. Bizarrement, c'est Lenny qui s'est fait une fois de plus focus. 3500, 3700. Il n'y a pas beaucoup de vita en face. Donc ça, déjà, c'est bien. Ouh, ça rajoute de la puissance pour tout le monde. Ouh. Attention, purée. 5 PM pour le SRAM. 7 PM le SRAM, c'est totalement cheaté. On a un petit tofu en face. Bref. Je vais booster que le Kra en PA. Voilà, j'ai pas la PO. Je vais pas la mettre maintenant la PO parce que de toute façon. Ouais, non, il faut 2 PO, j'ai plus de PM. Ça sert strictement à rien. À la limite, ça. Mais bon, de toute façon, pour ça, c'est pas très grave. Par contre, je suis un peu mal placé là. Je me suis mal placé. Faire un petit mot d'épine, je sais même pas où il est le mot d'épine. Bref, je passe. Très mal joué déjà. Premier tour là, je suis complètement à la ramasse déjà. Bon, le SRAM qui perd un peu de points de vie, c'est déjà pas mal. Je vais essayer de le trouver. Alors, 7 PM, soit il peut reculer, soit il va entre le Kra et ici, soit il s'avance par là, soit il va par là. Ça fait quand même pas mal de possibilités. Alors là, il est toujours là-bas, il a pas encore. Dépend 7 PM, jour 9 PM, pulsion de chakra, plus de PA par contre, maintenant ça va être du déplacement. 1 PM par contre là il s'est. En même temps il a mis piège répulsif, etc. Donc là c'est vrai que c'est très très chaud à savoir où il est. Moi je m'en fous, je vais tirer des PA. Voilà. Au moins comme ça, il n'y aura pas de soucis. Voilà, ça les perd bien en plus là. Hein. 9-6. Oh putain! Le SRAM, j'ai trouvé le SRAM. 2 PA le SRAM. Alors il est peut-être là. Ah ouais, ça y est, le SRAM est trouvé. Oh oh! Amazing, le SRAM il est là! Il s'est caché là! Putain! Oh, il est pas intelligent ce SRAM, c'est pas possible! Faut être con de se mettre là! Mais les PA! Bon certes il a 2 PA en plus, mais il se rend visible. Enfin, invisible mais visible. Bref, je me comprends. Là c'est bon, là je vais le tour shoot le SRAM, 2500. Oh putain, 4 PM. J'étais. Bon là c'est bon hein. Oh mon commerce se développe, 400 km, attention. Ah il était sous sac. Merde. Il était sous sac le petit SRAM à la con là. De toute façon, moi je vais l'en. Non, je vais. Oh, je vais essayer de le finir. 1400 points de vie, ça devrait passer. J'aurais dû le rendre visible. Parce que là, il va se recacher là. Il va rebouger là. Pas de sort qu'il le rende visible. Ça, c'est con ça. Oh putain, on essaie de me virer de la PM là. Mais si je me mets là, de toute façon, je peux l'avoir là. Debuff le Xel, ça sert pas à grand chose. Ça débuffe en plus mon malus PO, donc
C'est plutôt pas mal. Ah, je rock spa. Pas de CC là. Ah putain, 300 points de vie. Le SRAM s'est fait focus là. Hein. Attention, ils ont pas de soins en plus en face. Ça va être easy coolie. Ah bah non. Maxi troll. Ma flèche empoisonnée. Vraiment mal joué, putain, noob powa. Team de rouxage. Par contre, moi j'ai plus de PO, ça commence à m'énerver par contre. Ah putain. C'est les colis épiques, voilà. Les colis épiques et collégrammes. Oh putain, c'est easy ça. Oh la vache. Ah, je pensais pas quoi. En plus, c'était mis là, il a pas pensé que j'aurais pu faire les PA là avec mon Xel. Oh là là. Ah, ça y est, suicide, rage quit. Voilà. Rage quit en Coliseum, troisième tour, c'est pas mal. Troisième tour, c'est un bon temps ça pour rage quit. Il fait mal ce petit cras en plus. Mais on va focus le papy. On va focus le papy. Papy Nunu. Ah, j'ai pas de PO. Ah, j'ai vraiment pas de PO quoi. J'ai. Voilà. On rage quitte le petit papy là. Oh putain, on dégomme vite fait. Bah, c'était super ce petit Coliseum là. Tranquillou bidou. En mode troll là, comme d'habitude. Le petit SRAM qui a mal joué. En mode patate pourrie. Voilà, j'arrive. Crac le petit CC. Trois coups sur le cra. Perfecto, ça passe tranquillou bidou. En mode à l'aise. Allez, mon TP. Allez, passe là. Rage quitte tout seul dans ton garage. C'est la meilleure façon. Ah, ça fuit quand même un petit peu. Ouais, 4 tours. 4 tours, c'est un bon Coliseum. Ça. 3 tours, ça rage quitte. 4 tours, ça finit. Impeccable. Ça se tue entre eux. Ah non, ça fait un petit peu du. Putain, stop ça là. Donc Zel, il t'a rien fait. Imbécile de cra. J'aime pas les cras en face, moi. Allez. Oh purée, j'ai mode PO. Mode no PO, c'est affreux le mode no PO, franchement. Heureusement qu'il y a les cacs qui permettent de hop. Finir très rapidement, voilà, 7 minutes. Norage, c'était Daika, je déconnecte. A plus.